Nous allons voir maintenant le plan de terrassement. Donc le plan de terrassement c'est plutôt, ça s'adresse plutôt à des terrassiers. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour des petits chantiers, des chantiers de, de faible importance, le terrassement peut être fait par l'entreprise de maçonnerie. Mais à partir du moment où on a par exemple plusieurs maisons, un lotissement ou un bâtiment plus important, à ce moment-là, il y aura un lot de terrassement qu'on appelle le lot VRD, voirie réseau divers. Voilà. Et lui, il a ce qu'il faut. Bon, Aujourd'hui, ces entreprises sont équipées avec les logiciels qui vont bien. Ils vont sur place, ils font un relevé avec des lunettes euh, particulières, qui permettent d'avoir un, un état du sol euh, vraiment fidèle, hein, d'avoir un plan fidèle à l'état du sol, et donc ensuite de connaître l'altitude du sol existant, connaître la plateforme l'altitude à laquelle ils devront livrer la plateforme et le logiciel calcule tout voilà pour des calculs plus modestes on va dire il se peut que vous soyez obligé de calculer le volume de terre à euh, excaver voire à déplacer voilà donc ça a un coût hein, ça coûte quand même relativement cher le terrassement donc euh, je vous donne ici quelques indications pour vous faciliter euh, la tâche. Donc le plan de terrassement, il comprend les dimensions générales de l'ouvrage d'après les plans du maître d'œuvre. Hein. Je situe le, la maison ici, je dois un garage par là, voilà par exemple. Les dimensions des fouilles d'après l'étude de sol et l'étude béton. Il faut bien que je sache combien je, de combien je creuse. Les niveaux du terrain naturel. Donc les niveaux des fonds de fouilles, donc le fond de fouille contient un béton de propreté, c'est le, le, le dessous du béton de propreté. Voilà. Les niveaux des sous-sols, le cas échéant. L'altitude du rez-de-chaussée servant de niveau de référence, toujours le terrassier voudra connaître le niveau zéro, il va poser un jalon euh, sur, le, sur le sol à un endroit qui, euh, où on sait que personne ne viendra pendant le chantier, et on va mettre un coup de peinture rouge qui va dé délimiter le niveau zéro, enfin rouge ou bleu ou jaune, ce qu'on veut, mais un, un coup de peinture qui nous euh, détermine le niveau de référence. Voilà. Et évidemment, il faut connaître la limite de propriété. On va pas aller terrasser chez le voisin. Hein voilà. Donc, euh, lorsqu'on fait euh, un plan de terrassement, pour le, le réaliser, à partir du relevé qu'on aura fait sur place, il faut déterminer la plateforme. Donc la, pla la surface de la plateforme, ça sera par exemple ça. Hein, voilà. Ou ça. Là, j'ai la construction. Alors excusez-moi, là, j'ai la construction. Là, je viens jusqu'ici. Ici, c'est ce trait-là. Donc ça, ce sera la plateforme euh, appelée la, une banquette périphérique de 1 mètre, d'accord La banquette, c'est ce qui va déborder sur le côté. Le total, c'est la plateforme. Voilà. Déterminé, sans niveau plus 28 NGC NGF. Ça, ça veut dire que je vais être à 28 mètres d'altitude. Hein, voilà. Et en plus, je peux mettre également que je suis au niveau moins deux mètres cinquante, moins trois mètres Voilà. Là, c'est donc la plateforme. Voilà. Connaître donc euh, sur une vue en plan les niveaux, donc les courbes de, du sol existant, savoir que là je suis à l'altitude 30, enfin 29, 30, 31, etc. Toujours en connaissant la géolocalisation du projet. Hein, et repérer les angles de, de la plateforme A, B, C et D. Hein. Voilà, j'ai repéré les quatre angles. Calculer la différence de hauteur entre chaque angle de la plateforme et, et le terrain naturel. Donc, positionner les têtes de talus, on va voir ce que c'est sur le, le dessin, en respectant les échelles et l'angle de talutage. On peut reporter la tête de talus par rapport au point ABCD, ceux qui se projettent en A', B', C', D'. Voilà l'histoire. Voilà Donc, je connais mon la profondeur l'altitude de la plateforme ça c'est mon plan qui est ici donc je fais une sorte de coupe que je viens euh, projeter su, sur le, le sur le plan comme ça je connais l'altitude euh, ici hein je, je, je reconnaîtrai l'altitude ici donc je la projette ici je connais la même ici je vais la projeter là donc je vais dessiner un trait comme ça, je connais l'angle de talutage globalement, je prends du 45° degrés et ça va très très bien. On appelle ça du 1 pour 1, comme ça on sait que euh, en prenant du 1 pour 1, on est garanti que partout en France ça passe quoi. Et puis je suis j'exagère quoi, ça sera jamais comme ça. Mais ça il vaut mieux quand je fais du terrassement calculer un peu plus qu'un peu moins, hein. voilà. Donc, avec cet angle à 45°, degrés, ben je vais trouver le point B', je vais trouver le point A' je fais pareil pour les quatre côtés ici aussi ici la même chose en bas de de l'autre côté sur l'autre mur pignon de la même manière et, et donc après je vais avoir donc la surface de décapage je vais connaître la surface de décapage je vais en déduire euh, bon après la profondeur je vais enlever par exemple 20 cm de décapage et ensuite je vais faire une moyenne entre la surface de décapage, la surface de la plateforme, euh, la haute Je vais calculer la profondeur moyenne, hein, faisant les quatre points A, B, C, D. Je vais calculer la profondeur moyenne à, à excaver par les dimensions moyennes et j'aurai le, le, le volume de, de terre à excaver. On appelle ça faire une cubature. Voilà. Faire la cubature, c'est calculer le volume de terre à déblayer. Voilà. Ce sont les terrassements principaux. Après, il y a les terrassements complémentaires qui seront les fouilles en rigole, éventuellement, qui viendront après euh, ici. Voilà. Ce qui est important, c'est qu'il faut faire attention parce que l'entreprise de maçonnerie, si vous travaillez dans une entreprise de maçonnerie, elle est responsable du terrain sur lequel elle construit. Donc, il vaudra mieux avoir assuré le coût. Euh, et avoir descendu la plateforme à la bonne profondeur. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire sur le terrassement.